Bonjour, distingués invités, distingués téléspectateurs de la chaîne Change Production. Nous voilà encore aujourd'hui réunis dans notre idéologie et plateforme Jamais le Congo sans nous. Jamais le Congo sans nous est une plateforme réalisée par la jeunesse congolaise, par son représentant Rodi Pezo. Depuis l'avenir de notre pays, le Congolais a toujours souffert. Pourquoi cela ? Parce que sa jeunesse n'a pas été suivie. Aujourd'hui, avec nos amis congolais de la jeunesse, nous allons parler du Congo et nous allons essayer d'orienter les gens. Pour commencer d'abord le sujet du jour, nous allons déjà vous faire part de l'activité qui s'est passée en RDC Congo. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, vient d'inaugurer le bateau SN Congo. Et pour en finir, nous avons continué avec l'actualité exacte qui parle aujourd'hui dans notre pays, le dialogue. Le dialogue, pourquoi ? Parce que le dialogue, c'est l'avenir des Congolais. Pour des autres, c'est ça nous emmène à un troisième mandat de chef de l'État. Chers Congolais, aujourd'hui nous allons parler de tout, sauf de rien. Jamais le Congo, son nom, est une grande activité, une grande plateforme qui va bientôt vous unir toute la jeunesse congolaise. C'est ici que nous allons comprendre d'où vient le Congo, où sommes-nous et où allons-nous. Étant que jeune Congolais, aujourd'hui nous sommes entendus de créer cette initiative pour essayer de conscientiser la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise qui a été bafouée, la jeunesse congolaise qui a été jetée par beaucoup de nos confrères politiciens qui ont laissé cette jeunesse juste être manipulée. Jeunes Congolais, jamais le Congo sont. Il est temps de savoir que la République démocratique du Congo a besoin d'une jeunesse forte, dynamique, pour essayer d'emmener le développement de leur pays. Le président de la République, Joseph Kabila, a essayé d'initier le dialogue pour que le peuple congolais puisse se retrouver comme un seul homme et décider de qu'est-ce qu'ils vont faire pour le Congo. La République démocratique du Congo, nous avons un grand problème. Le grand problème, c'est que notre jeunesse est manipulée par la politique de notre pays. Nous ne parlons ni majorité, ni opposition, mais la politique nous a manipulés. Pour continuer notre événement, nous allons demander à notre régie de nous lancer une chanson patriotique qui pourra nous aider avec cette grande émission. Jamais le Congo sans nous. Voilà, c'était pour faire plaisir à tous les Congolais et que les Congolais puissent penser à nos compatriotes de Béni qui ont perdu leur vie juste pour être Congolais. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes fiers d'être Congolais ? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons le dire ? Réellement, nous sommes fiers d'être jeunes Congolais. À chaque moment, nous nous sommes créés des pages web dans nos maisons, par-ci, par-là, pour essayer d'insulter les autorités de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est à cause d'eux que le Congo est pourri ? Est-ce que c'est à cause d'eux que nous avons des problèmes sérieux ? Je ne pense pas. C'est dans cette émission que nous allons parler de la réalité de notre pays. Qui sont les ennemis du Congo ? Qui sont les ennemis du Congolais ? Et qui sont les ennemis de développement de la République démocratique du Congo ? C'est par ici, avec cette édition, que nous allons parler de la logique, la vérité de notre pays, le Congo. La RDC, pays cher, un pays grand, un pays fort, ne se rend pas compte que c'est un pays de bonheur. Aujourd'hui, le peuple congolais, nous avons un seul dossier à faire. Nous devons emmener le peuple congolais à reconnaître d'où vient le Congo, qui sommes-nous réellement. Arrêtons de dire n'importe quoi dans nos chaînes web, dans les télévisions où j'en passe. Parlons de la réalité des choses. Tandis que vous êtes en train de vous débattre, vous êtes en train de vous tuer entre vous, juste pour le dialogue,
Je vous informe que nous avons déjà des cas très sérieux dans notre pays. Parlons de la situation qui se passe maintenant à Lubumbashi. Nos frères, nos consoeurs sont montrés dans ce truc tué à cause d'un meeting de Kyungu Zakimwena. Est-ce que la politique dans notre pays est-elle bonne? Point d'interrogation. Est-ce que la politique de notre pays n'est pas bonne? Point d'interrogation. Nous allons en parler dans cette édition. Je demande encore à la régie de nous lancer un dernier message pour essayer d'orienter nos frères qui auront besoin de nous voir. Jamais le Congo sans nous. Message qu'on vient de nous dire, le stade tout-puissant Mazembe, donc le stade de l'équipe de Mazembe du président Moïse Katumbi Tchapwe, va être fermé d'ici là parce que Moïse Katumbi Tchapwe l'a construit sans accord du gouvernement. Nous en parlerons dans l'édition. Veuillons maintenant parler de la réalité de notre pays. C'est quelle jeunesse qui va toujours rester en train de suivre les politiciens de gauche à droite? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour notre pays? Mais c'est clair, venons tous, réunissons-nous sur une plateforme, essayons de changer le Congo qui nous appartient. Chers compatriotes, chers Congolais, arrêtons d'abord d'insulter la politique, parce qu'il y a un adage qui nous dit, si vous voulez exactement dire qu'est-ce que le gouvernement a fait pour moi, vous devez d'abord commencer par vous poser la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays pour que le gouvernement fasse quelque chose pour nous. Chers Congolais, nous allons parler de la vraie vérité de notre pays, le Congo. Le Congo a besoin d'une jeunesse forte. Nous n'avons pas besoin d'une jeunesse qui va se mettre dans des coins, discuter pour ne pas avoir raison, discuter pour rien, tandis que vous pouvez vous faire de l'argent très facilement en perdant votre temps au coin de la rue. Je voudrais aussi aider nos frères compatriotes pour savoir si nous sommes en train de parler en français, ça va aider beaucoup de gens, et l'extérieur, les internationaux, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays. C'est pour ça que vous allez nous laisser le temps de parler avec la langue dont les Congolais pourront comprendre si facilement pour essayer d'avancer. Mais je vous dis ceci, aujourd'hui ce n'était que juste la première vue avec notre grande chaîne, Change Production. Nous sommes toujours avec lui et soyons tous connectés sur la page Change Production. Petit à petit, vous allez voir ceux qui auront besoin que nous puissions les recevoir ici à New Delhi. Vous pouvez nous contacter. Vous allez voir, le numéro sera inscrit sur le bas de l'écran. Et là, vous allez pouvoir nous contacter pour essayer de vous mettre dans notre programme. Jeune Congolais, Totikana Muloyenge. Totikana Muloyenge, parce que Makambu Elinge Bandalilo. Tolinge Tobetalisolo, Yambo Kanabiso Congo, chef de l'État. Opposition, les Kambouni n'est-ce pas les Karambo Kanabiso? Les Kambouni n'est-ce pas les Karambo Kanabiso? Les lots Congolais a commis qu'au banc à Kokita, même la Kati Yambo Kanaye Congo, pour aller bilisouté et l'eau connu n'est-ce pas les Sala. Pourquoi aujourd'hui le Congo est comme les Bissot, Mboka Oya Bissot Moko et comme les Bissot Ngaï? Pourquoi Congo n'a Bissot Batou Bazali Koku Fatang Nyonso? Qu'est-ce qui fait que le Congo ne marche pas? Qu'est-ce qui nous emmène na ba bêtise au Union Suzo Salamana Congo? Le Congo est un pays où nous avons au moins 85% de richesse du monde. Mais qu'est-ce qui se passe dans le Congo? Nous avons toujours une grande souffrance. Depuis que le Congo a commencé, la République démocratique du Congo peut compter déjà au moins 4 présidents. Un président qui a été assassiné, le deuxième qui est mort n'a pas maladie, le troisième assassiné, et le quatrième maintenant qui est avec nous. Est-ce que Essengeli Kakato qui peut politique poto tongambo kanabiso Congo? Bande konanga ya poto, bino batu bo limbisanga mwa mouke parce que
non toko kisi ba makamunyo sauté, mais avec votre soutien, je crois que toko za na moi idée payer moi soutien na bino pona koyeba na kovandi sa studio na biso na kimia pona to kende nango na ndenge ya malamu. Makambo ezo leka na Congo ezali kosepelisa isu batu te. Batu oleba beta masolo ya souffrance na peuple ndenge peuple azali komona pasi, batu bakomi kobete na biso ba masolo ba futilité ba biloko o itali ndeko na biso ferigola esika azali balobi feri asundoli bana libanda. Tant que mboka na biso ezali kotambola te, biso il faut kaka to sololaka makambo ya feri. Et loko ezali kobuma mboka na biso Congo, nous ne pensons pas de l'avenir de demain. Mais avenir ya lobi ezali banani, ezali yo, ezali ngai biso batu tozali ba jeune ya Congo. Tozali na posa jeunesse na biso ekoma ko investir na mboka na ye Congo. Tozana posa jeune nyonso azwa conscience po aye bana kotonga mboka na ye Congo. Banda bo banda kolanda ba politiciens wana, banda bo belela kana sima na bango ba jalelo wana. Combien déjà oyo bazali ba entrepreneur congolais. Botala ndenge mboka na biso ezokendela. Tant bino bozo sala makelele na Congo Kinshasa po na makambu ya dialogue na este kuna bandeko bazo kufa. Tangu batu ya este bazali kokufa na Rwanda kuna bazo fungulela bino société ya coton. Tandis que na kati ya Rwanda bazali na richesse ya coton te. Ce sont des choses qu'il faut commencer à étudier entre nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le Congo soit stable? Parce que pour déstabiliser Mbokapé, ils ont vous pas une abisso. Lorsque nous sommes en train de faire des vidéos pour la kola ki sabatuma BO ezali na mboka na biso Congo et sengo ya mundele ezalaka komona biso na pasi pour yé ayeba nini ayeba na kozwa valeur comme eux-mêmes ils l'ont dit, diviser pour mieux régner. Lorsque tozali na ba problème na biso moko na Congo, par là je vais saluer bandeko na biso ya Gabon. Félicitations na bino na ndenge boye ko sala élection na ndenge ya malamu. Peuple na bino gabonais na pesi bino lisusu mbote parce que bozali peuple moko oyo bo comprendre politique. Voilà la politique africaine. Au moins eza ba bilongi oyo ya koyeba na ko kangisa. Ndeko na nga mobali oyo akomela ki biso est-ce que Eugene Joko azali mutu oyo abungi pona Congo. Eden Joko pona ngai azali mutu oyo esengela kite aya na Congo etant que facilitateur. Oleba be ngaye facilitateur nga na na moni esengela ikobe ngaye au moins Eden Joko azali complicateur. Pambate l'opposition bazo senga na bino eloko ya mukie bobimisa ba prisonnier politique. Ce qui peut être un prisonnier politique, wana, ba non mutu ba ko participer na kati ya makambu oyo etali dialogue. Parce que d'abord le dialogue en question Etienne Tshisekedi abouti ko bwaka lisusu slogan alobi balingi ba banda ba manifestation na bango ti le 19 de septembre. Mais lorsque vous banda ba manifestation na bino, vous vous ne rendez pas compte que vous le pouvoir et la majorité, ce sont le peuple congolais qui va mourir. Ou vous avez besoin de gérer une nation, ou vous avez besoin de marcher sur les corps des gens et sur le sang. Le peuple congolais en a marre. Tokoufi mingi, toleli mingi. Jeunesse congolaise, tozaye kosenga na binobozala, na mitu eva na makimia. Botika koyoka yoka biyoka yoka na ba siti ya ndenge na ndenge. Botika koyoka ba information ya ndenge na ndenge pambate tango zali muta opposition okoluka kaka intérêt ya opposition. Tango zali na majorité okoluka kaka intérêt ya majorité. Botala ba ndeko na bino ya Gabon. Élection isalami lobi lobi. Président aza élu. Ali Bongo andimi. Ali Bongo andimi. Et nous connaissons les causes dans le peuple gabonais. Nous connaissons ceux qui allaient bongo aller co postuler Baboya Kondima, Baboya Kondimae. Pambate atiki pouvoir na malembe. Et nous connaissons les allés co tinda binobo wele la pouvoir pour na co bouma population congolaise. Mboka banda bo banda ko betali solo ya mboka mboka ekufi mboka ekufi mboka ezobongate. Maintenant opposition na majorité. Bozali bato bozali mieux placé ya kotonga Congo na biso. Lelo tozolo bela nini? Est-ce que na politique ya Congo
Et c'est que les Congolais attirent les sous makelele na politique. Pas ma tête aux oeufs balis sous-souté. Ne confitant qu'à mes rayons oye ou bétili solo na population au lobby que yo aux alliés opposants. Selon ma kamundege boyokanaki na jevel, boyokanaki yeteke, il est singeli babimisa pas prisonnier politique, ne na simana yango boko kende dialogue. Bino moko bozali ko koti sa mote mama bena ba Congolais. Bino moko bozali ko pesa biso mite ma passe. Pamba tete ozali ko comprendre l'issue sur l'autre côté. Tantôt nani alobi vérité, tantôt nani alobi lokuta. Ndeko na ngai yo muntu yebi l'autre côté. Vanda kimia. Nazali ko sala appel na jeunesse congolaise nyonso. De la majorité tant que de l'opposition. Parce que vous avez une toute nationalité, majorité, opposition. Vous êtes de la nationalité congolaise. Ce qui est au lobby, aux Olandaba politiciens. Banda au Banda Olandaba politiciens aussi aux Omoussala et Sikanim. Tant que vous avez un intérêt, vous avez un intérêt, vous avez un bazali, vous bazali un intérêt, misala. Aujourd'hui, nous pouvons compter combien d'étudiants congolais au Bazali Kolongwa, na Inde, na États-Unis, na Asie, donc que toi soit Asie, Océanie, Afrique, na Amérique. Bako kene ko sala wapi. Et pourquoi seulement nous, la jeunesse, nous allons raisonner, ya koye bana ko sala et pas ya batu, tandis que nous sommes capables de créer des entreprises. Commençons d'abord par être entrepreneur. Pour être entrepreneur, et ce c'est na marambwe belete. Nous avons fait un calcul avec des Indiens. Le calcul que nous avons fait, na 2014, Bic Stilo Yabi, Oyobatu Basombaka, Ba commerçant Basombaka, Pobaya Nangoka na Congo, il dépense au moins 1 476 000 dollars. Juste Kakapona Bic. Mais ici en Inde, nous avons la facilité de vous orienter. Parce que, orienter mon tozali très facile, tozali déjà la coopération n'a indien. Pour n'a qu'on la kaka bik wana avec 20 000 dollars, ceux qui ont investi en go, awa, tu koye ba na ko benga ba indien, ceux qui ma kokina yo izali okoya awa, ba ko pesa yo machine, ba pesa yo technologie, okomi ko sala bik na kati ya Congo. Ole to betaka masolo, il y a ndenge nini, ndenge fali a bibaki, ndenge kofi a salaki. Tout beta dans nos masolo, comment nous pouvons faire développer le Congo. Bandeko ya poto, bandeko ya États-Unis, bandeko bazali na Inde, bambo te nabino. Mais conseil moussous na zo pesa pe na bandeko na biso o bazali li banda ya mboka. Bo pesa ka ba Congolais, esprit wanate ya ko laksa ka bango ke bino bozali danger. Boza danger te. Boza supérieur ya batouté. Bozui occasion ya ko voyager. Bokei libanda ya mboka. Omluki. Eloko oyo oluki na Congo. Soki olobi lelo oya ko installer yango bande ko nyonso pe ba banda ko se retrouver. Mabe ezawap. Tango bozali ko ganga er nyonso misala na Congo ezate mende ko yo ozolanda nga yo olekaki na site moko na kotanga kombo na ngote parce que nga naza dans le na kati ya site ya meilleur site du monde, meilleur site ya kuya monde ya ba Congolais ya solo solo na Change Production. Soki na tango yo ovimba mutu oleki na TV olobi na biso ke yo ozali pantalon na yo ezali 45 000 dollars, chemise olati ezali na 35 000 dollars. Chaussures au boutique au somme yango au somme qui chaussures ce qui n'a 4 000 euros. Bambam ou ananios au salaire là qui va dépense ce qui t'olobi tout ça la calcul au lobby la biso tu as fait le calcul au baby ici au moins 135 000 dollars. Mais c'est 135 000 dollars que toi tu abîmes na elamba kaka ya kolata et koki ko fungo la entreprise na Congo pe ba jeune balongwe na chômage. Ole ya ko kritika kaka. Toye ba na rapé ko mema ka pe ba solution na makamu na biso. Combien de Congolais ba si bandimana? Ke ya ya o ya zo sala malamu, mero a zo sala malamu. Ba mbongo na bino ezala ka ba musicien.
Quand tu es en train de donner à un musicien l'argent, musicien wana zo s'enrichir. Et tant wazali ko s'enrichir dans le lenge wana. Yo kuna ozali ko si là parce que hier ça la place mon ils ont compte. Tu ko beta ma solo ya Congo vendredi. Les autres ozali non ko conscientiser binou ma jeune. Biso ba jeune congolais toti kana nous ko s'embrouiller. Poto ya lelo eza poto li susute. Tant nous allons kokene poto yeba eloko nini yo soke osala na poto. Bozali bato ali boso ya koya kofunda ya kofinga biso. Tant ba bominde ko na biso Cynthia personam. Bolobi bo kena kosala nini kuna yo pe muto zalaka na France okena osani. Biso au moins toyaka kotanga pe tozonga ka Congo. Yo banda okenda France. Ozo ganga pe, tu as fait au moins 22 ans en France. Combien d'entreprises obtiennent en Congo? Bande kona bino, oyo bino bozali ko défendre po na beni. Mutu moko zo sepelate po na makambo zo salama na beni. Mais soki lelo bato bazo souffrir na bino na beni parce que yo na ngato négliger Congo. Totikeli yango bato misusu. Kaka koloba, le gouvernement est sali ba hôpital boni, yo congolais, otongi ba hôpital boni, na norme ya ba hôpital. Venons avec des idées. Tous en la plateforme, mokoto loba, que nous sommes venus pour changer le Congo. Et non pour critiquer seulement le pays. La RDC a besoin de nous, chers congolais. La jeunesse congolaise, il est temps de se lever. Jeunesse congolaise, il est temps de dire un mot. Ne restons pas seulement bouche fermée. Ceux qui doivent faire la politique, nous devons les soutenir dans la politique. Ceux qui veulent être des entrepreneurs, nous devons aussi les aider. Mais toi, qui ne fait que te mettre par-ci, par-là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Bande konabino bazo koufa na Congo, médecine ya malongue zate. Mais bozé belé na poto bosa ba infirmière na ba docteur. Mbongo o bozo na poto bosa la na ngoni. Po biso bo finga biso to zoka des chiffres. Mais tozo kitana ba entrepreneur. Ba entrepreneur bazo kita. Par exemple, je peux vous expliquer d'abord la chaîne Ongan avant les meilleures chaînes. Parce que c'est un jeune. Oyo Azali concepteur, ya chaîne yango. Banda ou banda masolo na yo yako sapé. Combien d'entreprises yo mimi na Congo? Bozali ko tia mounoko pamba pour na Congo. Soki to lingi to gagne Congo, to lingi to kota na politique ya Congo. Et c'est le comoko. Tout créer ba entrepreneur et belé. Ce qui l'élo jeunesse tozali na mbongo, to kozala na un mot à dire liboso ya politique wana. Mouto ko sabinote. Aujourd'hui, les gens comme des Zuckerberg, des gens comme des Bill Gates ont un mot à dire à leur gouvernement. Parce qu'une grande personnalité comme Zuckerberg, comme Bill Gates, ce qui l'élo ba lobi ba retirer ba mbongo na bango na banque ya l'État. Vous savez combien l'État va perdre? Vous, les politiciens qui criaillez par-ci, par-là. Un député national qui ne fait rien. Tu te réveilles le matin chez toi, tu vas à l'Assemblée nationale, Moussala Nayeza, mention. Et tu gagnes au moins 8000 dollars par mois. Si vraiment Bino Bozalavana pose pour soutenir la population congolaise, et quand je m'adresse à tous les politiciens. Si Bozalavana vraiment n'a pas pour aider les Congolais, l'éducation est par terre dans notre pays. Si on a une assemblée nationale, on a un salaire de 8 000 $, on a un salaire de 2 000 $. Comme ça, il y a salaire, il y a professeur, il y a docteur, il y a médecin, il y a salaire, il y a soldat.
Comment se fait-il un grand pays comme le Congo, nous n'avons même pas plus de 500 000 militaires. Mais ceux qui nous ont attaqué, qui va défendre le pays? Même un militaire, nous ne pouvons pas rester avec cette souffrance. Je vous dis qu'il est impossible que tu continues à souffrir. Le temps est venu pour nous de se lever et de dire que nous sommes prêts pour construire notre pays. Chaque jour, nos politiciens, vous voyagez, vous partez partout dans le monde. Bon, mon arabe à l'aéroport, on a bangoté. Bon, mon arabe à métro. Mais pourquoi pas le Congo? Laissez la place aux entrepreneurs. Le ministère de la Justice, Nazo Sala appelle la ministre à jeunesse. Jeunesse et sport. Il est temps, appelez-nous. La jeunesse, nous allons vous emmener des idées, nous allons vous emmener des solutions. Comment nous pouvons faire pour que cette jeunesse ne s'occupe plus de vous? Si cette jeunesse ne fût que cette jeunesse a la facilité de s'en sortir d'elle-même, à quoi qui peut binoter? Vous avez tout bloqué, la politique, l'économie du pays, le social du peuple congolais. Rien ne marche au pays. Laissez-nous les jeunes venir et construire. Laissez-nous venir investir. Le message que nous avons dû à passer, c'était là. Et nous avons besoin juste d'un abino. Boye banaka kotinda ba ide. Boye banaka ndenge nini tokoki ko sala pona ko conscientiser jeunesse na biso. Le grand devoir que nous avons, c'est de conscientiser la jeunesse. Partout aux alliés, yo jeune congolais mutu ko landa iloko oyo. Loba kaka. La latango lali, loba jamais le Congo sans nous. Parce que quand tu dis jamais le Congo sans nous, tu dois te poser beaucoup de questions. Jamais le Congo sans moi, pourquoi? Parce que tu es l'avenir de demain. Parce que le Congo t'appartient. Il est temps de se lever pour notre République. Il est temps d'investir dans notre pays. Totika ko investir na bilamba. Ce temps où tous allez investir trop na bilamba, la jeunesse congolaise est en train de partir dans l'eau. Voilà, c'était votre serviteur Audi Pezo. Si vous avez besoin de nous, vous pouvez nous contacter sur ce qui sera écrit sur la barre d'écran, là. Vous allez pouvoir nous contacter très facilement. Et dès que vous nous contactez, d'ici là, nous sommes en train de nous apprêter pour essayer de vous le faire en live. Comme ça, nous aurons des appels et nous allons essayer de vous répondre. Notre journée d'aujourd'hui, je crois qu'elle va s'arrêter là. Mais n'oubliez pas qu'après cela, il faut toujours dire jamais le Congo sans nous. Merci.